Atterri à 5h moins quart. J'étais pour m'en aller, puis. Fait que. Gros oreille, ça. Là, c'est gros oreille. C'est un gros vipine. Gros rack de vipine. C'est avec une 300 Magnum que j'ai acheté. J'avais le feeling au début, j'ai dit c'est avec celle-là que je vais tirer. C'est celle-là que je voulais avoir. Ça, ça doit être moi. Allô, je sais pas si on est moi là. Let's go. Bon, on va porter ça par là-bas. Il y avait deux femelles avant de moi. Je n'étais pas m'en aller. Je commençais à être brun. À un moment donné, j'ai entendu un grunt. Je me suis viré, je l'ai vu. Les faisant grunter. À un moment donné, j'étais capable d'avoir des cornes et. J'ai dit fuck, boum! Je pensais que j'avais carrément manqué. Ouais, monsieur. Et là, ça, c'est dans mes plus gros bocs. Je vais prendre des photos tantôt. Là. Un coup. Il y avait deux femelles qui bretonnent avant de moi. Il me restait une couple de minutes, j'ai dit, ah, oh, il commence à faire brun, j'ai dit, c'est des petits bocs, je ne ferai pas les cornes, t'sais. Fait que, j'ai dit, je m'en élevé, tranquillement. Puis, de nulle part, mon yeux, j'ai entendu grunter. Gru. Là, je me suis viré, j'ai regardé, il commençait à faire brun, puis à un moment donné, j'ai vu les bouts de cornes. Oh, je me suis accoté sur le genou, mon yeux. Boum! Je savais pas si je l'avais frappé. Je pensais que je l'avais manqué. Donc, puis, il est gros. Vraiment gros, là, ça, je ne veux pas, là. Bien content, ça fait du bien. Merci. Septième, 18e, je me souviens plus trop là.